Alléluia. Mon sous-thème de ce soir, c'est « De qui es-tu fils ?» Alléluia. Amen. Deux points, le service des pauvres matures. Alléluia. Yes. Dis avec moi, de qui es-tu fils ? De qui es-tu fils ? Dis avec moi, le service des pauvres matures. Tu dis pas bien. Tu es intimidé par ton voisin. Il y a d'autres qui disent avec un dossier pas trop fort, ils vont sentir mon haleine. Donc j'ai dit doucement. Alléluia. Amen. Dis bien, jusqu'à ce que ton voisin soit gêné. Dis le service des taux matures. Le service des taux matures. Alléluia. Amen. C'est pas des taux matures, c'est des taux matures. Une dernière fois. Le service des taux matures. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous parlons de la postérité de la femme. L'apôtre Sinaï a eu le temps d'expliquer beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Notamment de la sainteté et tout. Amen. J'ai bien Dieu pour son message. Amen. Alléluia. Amen. Il a ouvert et il m'a facilité un peu dans mon message. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On parle de la postérité de la femme. Et c'est qui la postérité de la femme? Gloire à Jésus. Alors nous allons prendre la Bible, nous allons aller rapidement. Dans le livre de Matthieu 1, verset 18 à 25, nous allons voir c'est qui la postérité de la femme. Matthieu 1, verset 18. Voilà, à 25. Pas, Dieu va faire des choses extraordinaires. Matthieu 1, verset 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas rompre secrètement avec elle, qui ne voulait pas diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie tu es avec nous. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jean 1, verset 12 à 13. Permettez que nous parcourons un peu les Écritures. Jean 1, verset 12 à 13. À 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. On va prendre Éphésiens 3, verset 3 à 5. Éphésiens 3, verset 3 à 5. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du ministère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alléluia. Amen. Dis avec moi, il n'a pas été révélé par le fils des hommes. Il n'a pas été révélé au fils des hommes. Amen.
Voilà, je veux que tu retiennes ça. On va aller dans Romains 8, versets 14 à 15. Romains 8, versets 14 à 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Voilà, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, je suis en train de vous parler de la postérité de la femme. Gloire à Jésus. Vous savez, Dieu a créé l'homme. Amen. Et l'homme a péché. Quand l'homme a péché, l'homme n'est plus la nature de Dieu. Alléluia. L'homme est devenu comme un animal. Gloire à Jésus. L'homme est devenu pareil qu'un animal. Gloire à Jésus. Et l'homme a commencé à engendrer des enfants. Ces enfants-là sont la postérité de l'homme. Alors, dans le plan de Dieu, lorsque Dieu vient, la toute première prophétie que Dieu lui-même lui donne, il regarde le serpent qui a fait chuter la femme et l'homme, et il lui dit, Dieu dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Il ne dit pas la postérité de l'homme t'écrasera la tête. Parce qu'il a compris que la postérité de l'homme a déjà échoué. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que Joseph couche avec Marie pour que Jésus vienne. Parce que Jésus n'est pas la postérité de l'homme, mais c'est la postérité de la femme. Alléluia. Venant de Dieu. C'est-à-dire, c'est le mélange entre Dieu et la femme. L'homme n'est plus là-dedans. Alléluia. Nous sommes rentrés dans une génération où les femmes maintenant seront au devant de la scène. Alléluia. Parce que assez longtemps, on a dû minimiser la femme. On vous a dit que ouais, vous êtes fait pour la cuisine, les assiettes et la lessive. Alléluia. Amen. Mais dans le plan de Dieu, lorsque l'homme échoue, Dieu ne parle même plus de l'homme. Il est la postérité de la femme. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, je me suis posé des questions. Pourquoi est-ce que plusieurs chrétiens échouent? Dieu m'a dit, plusieurs chrétiens échouent parce qu'ils sont la postérité de l'homme. Ils ne sont pas encore la postérité de la femme. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que quand on rentre dans les sciences et autres, ce qui donne le caractère d'un homme, caractère intérieur, genre comportement et tout, le sang, ce sont les gènes du Père. C'est pourquoi on dit dans le sang de ton Père, et c'est pour ça qu'un enfant porte toujours le nom de son Père. Parce que c'est la postérité de son Père. Et tous ceux qui sont la postérité de l'homme, vont échouer comme l'homme échoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans le plan de ce Dieu-là, intelligent, parfait, il a dit, c'est fini. L'homme, la postérité de l'homme, c'est fini. Je vais maintenant aller vers la postérité de la femme. C'est-à-dire, moi et la femme, on va se mettre en association pour combattre le diable. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il m'a dit, écoute fils, la plupart des hommes chrétiens, souvent même bishops, qui sont dans des choses bizarres, qui échouent, qui n'arrivent pas à atteindre leur destinée. Alléluia. Qui sont peut-être des chantres, qui ont des activités, mais qui n'arrivent pas à atteindre leur destinée. Ces personnes sont simplement et purement la postérité de l'homme. Gloire à Jésus. Comment est-ce qu'on les reconnaît? On les reconnaît par les modes de vie. Alléluia. Alléluia. Des flébards, des hommes qui tombent devant le péché. Des hommes qui ne peuvent pas avancer dans la vie. Des hommes qui sont distraits. Tu vois, beau prêcher, beau parler, ils ne changent pas. Alléluia. Et Dieu m'a dit, moi l'Éternel, j'ai pas dans le langage ici en Côte d'Ivoire, je ne fais rien d'eux. Alléluia. Tu peux venir à l'église, je te dis la vérité, au nom de Jésus. Tu peux venir à l'église et puis Dieu ne te voit pas. Alléluia. Alléluia. Vous, la race de l'homme qui a échoué, chassé du jardin. Alléluia. Vous venez à l'église,
du diable. Parce que là où les enfants de Dieu sont, le diable aussi vient dresser sa chapelle. C'est pas forcément un homme en noir avec des cornes. Ça peut être toi. À cause de ta manière de vivre. Amen. Est-ce que je parle bien ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Je te dis quelque chose qui va te choquer. Mais je sais que tu vas aimer ce message. Elle va révolutionner ta vie. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Personne n'a prié et a été exaucé. Celui qui était exaucé, c'est celui qui a obéi. Ça s'arrête là. Yes. On dit, Élie a prié et le feu est descendu. Faux. Élie a dit ceci. Seigneur, montre-les que tout ce qu'ils ont fait, c'est à cause de ta parole. J'ai obéi à ta parole. Montre-les que c'est toi qui m'as envoyé. Quelqu'un qui l'a envoyé, quelqu'un qu'on envoie et qui est dans le lieu qu'on envoie, la personne a fait quoi? A obéi. Parce qu'il a obéi, le feu est tombé. Alors, ma frère, ma soeur, mon frère, tu es tout le temps en train de dire, je ne vois pas le miracle. Je ne vois pas le miracle. En fait, c'est parce que Dieu ne te voit pas. Alléluia. Dieu ne te voit pas. Regardez, ce Dieu compatissant, riche en bonté. Alléluia. Riche en bonté. Et toujours tu pleures, mais il n'y a pas de changement. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu ne te voit pas. Alléluia. La Bible dit, ils ont gémi en Israël, pardon, en Égypte, ils ont gémi. Pendant 400 ans, la Bible dit, c'est quand ils criaient à l'Éternel que Dieu a entendu leur voix. Parce que vous criez à l'Éternel, vous dites, Seigneur, j'ai crié à toi. Arrivez sur des mots en idiot. Qu'est-ce que le livre dit? Il faut se sanctifier. Amen. Ils sont restés dans la droite ligne. Dieu a entendu. N'est-ce pas lui qui a dit, c'est pas que mes oreilles sont sourdes. N'est-ce pas? Mais c'est quoi la différence? Le péché. Ce soir, si tu prends la décision de mettre sur le péché, tu verras le Dieu de la Bible dans ta vie. Les enfants, bon, la postérité de l'homme, ce sont les gens qui vivent dans le péché. C'est eux. Ils ont mangé la pomme et c'est calé là. Ils vivent avec ça. Alléluia. Alléluia. Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils font ressemble à leur père, le diable. Je vous parle de quelque chose que j'ai expérimenté moi-même, personnellement. Celui qui vous parle, c'est un jeune gars avec une coiffure bizarre. Il vous parle de la sainteté. Alléluia. Et de l'obéissance. Ce soir, les bishops sont remplis. Ils vont déverser. Mais quand ils vont déverser, dans cette atmosphère, Dieu va descendre. Et puis il va dire, c'est elle, c'est lui, c'est elle, le reste. Vous retournez chez vous. Alléluia. 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 Qu'on ne blague pas avec Dieu. Qu'on ne blague pas avec Dieu. Si tu n'es pas de son parti, il ne compose pas avec toi. Alléluia. Alléluia. Frère, il peut arriver de temps en temps, ou quand tu es nouveau, je te dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et ne parlez pas de ton péché. Et quand tu arrives à un certain niveau, il te dit, prends ta croix et suis-moi. Alléluia. Prends ta croix. Et suivre. Ce soir, je vais parler de manière calme, afin que plusieurs comprennent. C'est, voici la postérité de l'homme. Orgueilleux. Orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mon frère, tu as l'onction. Tu as un don. Tu es fort dans ton métier. Tu sais que tu dois percer. Mais tu es orgueilleux. Tu fais partie de la postérité de l'homme. Tu n'es pas dans les calculs de Dieu. Il y a une autre voie pour réussir. Hein? Simple. Ce sont les féticheurs. Va là-bas. Va voir les francs-maçons, les occultistes. Tu vas réussir. Eux aussi réussissent. Mais nous, notre réussite là, tu n'es pas dedans.
Alléluia. Notre bénédiction qui n'est subie d'aucun chagrin là, à cause de ton comportement. C'est pourquoi ça dure. Mariage. Quel type de femme tu es pour te marier? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, le royaume des cieux, n'est pas une ONG. Hey. Alléluia. Amen. Une organisation sociale. Alléluia. Une maison là où, là, quand on est échoué dans la vie, on vient s'asseoir pour recevoir quelque chose pour avancer dans la vie. C'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Cette affaire de Jésus là, comme je le dis ici, il y a des gens qui sont morts dedans. Amen. Il y a des gens qui ont pendu la tête en bas, le pied en haut. Pour cette affaire de Jésus, qu'est-ce qui t'amuse dedans? Et puis cela, ils étaient saints. Alléluia. Amen. Un homme comme le prophète Esaïe, qu'ils ont scié pour couper en deux, vivant. Alléluia. Est-ce à toi, dans ton péché, qui as béni, Dieu n'a pas été béni? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toujours je dis avec assurance, moi seul, je suis béni. Amen. Ouais. Mes frères sont, ils peuvent témoigner. Moi seul, je vois la main de Dieu dans ma vie. Donc quand je m'arrête dans la rue pour évangéliser, je sais de quoi je parle. Je ne prends pas des paroles que j'ai entendues certaines personnes dire pour raconter aux gens. Quand je parle de l'évangile, je parle de mon histoire. Alléluia. Amen. Quand vous voyez un orateur parler avec beaucoup d'assurance, c'est que ils sont bien sur quelque chose. Amen. Gloire à Jésus. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Parce que je sais que déjà Dieu m'a fait quelque chose. Mais déjà, je vais te montrer la différence. Alléluia. L'homme a échoué. La postérité de l'homme a échoué. Et Dieu a envoyé le déluge pour tuer, pour tuer. D'ailleurs, Satan aussi a pris sa postérité. Il est venu mélanger aussi la postérité de l'homme. Car la Bible dit, les fils des dieux, les anges déchus, vit que les filles des hommes, n'est-ce pas, étaient belles. Et puis, ils sont partis avec elles. Et puis, des enfants sont nés. Et ces enfants-là, eux aussi sont partis d'autres enfants jusqu'à notre époque aujourd'hui-là. Ils existent. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu envoyait le déluge. Ils sont restés. Dieu envoyait le feu à Sodome et Gomorre. Ils sont restés. Et puis Dieu dit, bon, j'ai changé de stratégie. Alléluia. On va se confronter. Satan, il n'y a pas de souci. Les enfants, garde-les sur la terre. Mais moi, j'aime créer une autre espèce. Amen. Et la Bible déclare dans le livre de Jean 1, verset 12. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la capacité de devenir. Alléluia. Elle a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Écoutez, au commencement, Jésus-Christ était le seul fils. On l'appelait l'enfant unique. Alléluia. Mais après sa mort, il a eu beaucoup de petits frères. Et je suis... que peut-être tu as aussi. Acclame le Seigneur du Saint-Esprit. Alléluia. Depuis la mort de Jésus-Christ, il y a des enfants de Dieu sur la terre. Et vous devez sortir de cette pensée religieuse qui vous dit que tous ceux qui sont à l'église sont enfants de Dieu. C'est faux. Alléluia. Les enfants de Dieu, là, voici la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Ni de la volonté du sang, ni de la chair, ni d'un homme, mais de Dieu lui-même. Alléluia. Et quand on voit dans Romains 8, on dit s'ils sont enfants, c'est qu'ils sont héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Je me suis arrêté cette phrase et puis j'ai dit, Jésus-Christ, c'est quoi ton héritage? Alléluia. Alléluia. Amen. Il a donné un peu de son héritage à ses disciples. Il dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est l'héritage du Père. Alléluia.
car je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et ce soir, le Satan qui a servi ta vie va tomber du ciel comme un éclair. Alléluia! Alléluia! Je sais qu'aujourd'hui, quel que soit le cas que je vais rencontrer sous cette branche, tous, Dieu a dit, tous seront guéris au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Donc la postérité de la femme, c'est d'abord Jésus-Christ qui vient. La Bible dit, le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Alléluia! Et quoi? Tu seras saint, tu enfanteras un fils. Saint! Le seul fils de Dieu. Et quand ce seul fils-là grandit, il marche, la Bible déclare qu'il n'a pas marché comme un homme. La seule chose qui rendait Dieu homme, Jésus-Christ homme sur la terre, c'est à cause de sa chair que Marie lui a donnée par son sang. Alléluia! Alléluia! Mais ce gars-là, quand il est venu sur la terre, il a commencé à marcher là où les hommes ne marchent pas normalement. Un homme ne marche pas sur les eaux. Personne ne marche sur les eaux. Les eaux, c'est le domaine des poissons. Mais lui, il va dominer le domaine des poissons. Je suis en train de dire quelque chose. Il y a des domaines que tu ne dominais pas, tu vas commencer à dominer au sortir de ce programme. Tu n'as pas bien dit amen. Quel est le domaine qui te fatigue? La communication. Alléluia. Tu fais bac, bac, bac. Ce soir, on va prier pour les jeunes de bac ici. Tu fais bac, BTS, 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 BB, BTTS. Tellement c'est beaucoup. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus a vécu les eaux. Et la Bible déclare qu'il a vécu la loi de la pesanteur. Car avec son corps, il s'est arrêté. Et la Bible dit, il a commencé à être élevé devant ses disciples. Hélicoptère. Sans hélice. Hélicoptère. Énorme. Les oiseaux étaient étonnés. Même notre domaine, il a battu. Amen. Jésus est l'homme qui bat tous les domaines. Jésus est l'homme qui bat tous les domaines. Jésus est l'homme qui bat tous les domaines. Présente-lui ton domaine. Sois sincère et il battra ton domaine. Alléluia! Devant le problème le plus puissant, le plus extraordinaire que l'homme ne peut se résoudre, la mort. Alléluia! Il a ressuscité Lazare après 4 jours. On dit peut-être que Lazare a fait esprit. Il dit bon, lui-même. Il a ressuscité lui-même. Alléluia. Bon, pour Lazare, la vie, Lazare sort. Mais lui, il n'y a personne pour qui Jésus sort. Qui allait le faire sortir du tombeau? C'est là toute la divinité. Et c'est Jésus-là. C'est Jésus-là qui joue. Qui joue. Et lui a compris ça. Et il a aussi. Alléluia. Les choses ont commencé à serrer dans ma vie. Qui donc je t'ai dit, oui, j'ai toujours été vrai. C'est toi qui étais fou. Et rien, donc on va aller aujourd'hui. Ça sera comme ça. Nous deux, c'est un vrai, vrai. Et puis on va voir les choses vraies, vraies dans ma vie. Alléluia. Amen. Regardez ce site. Je suis le seul gars dans tout Pongo qui prie dans une entreprise. Amen. Est-ce que c'est pour mon témoignage? Amen. Yes. Amen. Alléluia. Ce site-là coûte 6 milliards. Quand tu veux louer, tu loues ça à 6 millions par mois. Ici, on loue ça à 6 millions par mois. Alléluia. Amen. Le monsieur qui a construit ce site-là, c'est lui qui a construit jusqu'au bord de la route là-bas. C'est lui qui a donné la couleur rouge au taxi. C'était le bras droit de Félix Oufou-Boigny. Alléluia. Amen. Alléluia. Ici, c'était un grand coin. Et puis un jour, c'est tombé. Parce que il y a eu des morts
qui ont atterri ici à cause des pratiques. Il y avait un esprit de mort. Quand je suis venue les employés, ils m'ont dit, souvent quand on est couché là, on entend des hommes qui passent. Des hommes qui passent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme m'a dit, ça fait un an que je cherche quelqu'un pour prier ici. Mais je ne trouvais pas. Et moi, pendant ce temps, j'étais couché à la maison. Dieu me dit, tu vas faire le ministère à Pomboui. Il dit, ah, Seigneur, moi, je suis un fan d'amour. Il dit, non, tu as fait un Pomboui. Il dit, bon, comment ça va se faire? Parce qu'à Pomboui, c'est saturé. Où j'ai avoir des locales et tout. Il dit, reste tranquille, tu vas faire un Pomboui. Et puis, on m'appelle, on dit de venir ici. Il dit, ici, là, ça ne marche pas. J'ai fait tout, ça ne marche pas. Et puis, les hommes de Dieu, ça ne marche pas. Si ça marche, je te donne si tu pries. J'ai dit au monsieur, j'ai pas trop parlé, parce que moi je suis rentré dans une dimension où la Bible dit, ne fais pas comme les païens, multiplie de belles paroles. Jésus, tu sais que c'est moi et pas la église. Si c'est que c'est comme ça, Jésus, Jésus, non. Juste avec les mains levées et la gloire peut descendre. Alléluia. Et j'ai dit au monsieur, tu as reçu dans tes locaux un adorateur. Quand les adorateurs passent dans le désert devient des forêts. Tout ce que je lui ai dit, il n'y a pas de souci. On a commencé à prier. Un mois après, il décroche un contrat de 36 millions ici. Et vous avez dit, vrai, il m'a prié beaucoup. Alléluia. Il m'appelle, homme de Dieu, si tu pries, je prie. Mais vrai, là, je ne priais pas beaucoup. Quand j'adore dans le business, je me souviens pas d'ici. Et Dieu fait. Il m'appelle, homme de Dieu, c'est extraordinaire. Depuis ce jour, 36 millions, 120 millions, et ça ne finit pas. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est avant-hier, les conteneurs sont partis. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et il dit, homme de Dieu, reste ici. Parce que là où tu es, il y a toujours la gloire. Amen. C'est cela qu'on appelle la postérité de la femme. Amen. La postérité de la femme me permet d'être visible par l'homme. Mais c'est qu'à l'intérieur de moi, un homme m'a dit, un homme de la pensée de la femme a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est profond cette parole. Ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, vous me voyez, il parle de moi, il parle de sa chair. Il dit, ce n'est pas ça qui vit, mais il y a Christ en moi. La postérité de la femme, c'est le corps. Mais en lui, il y a l'abondance de l'Esprit Saint. Amen. Comme l'a dit le bishop tout à l'heure, il transitait. L'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu parce que vous êtes venu au bon moment. Demandez aux gens du cadre. Nous sommes dans une atmosphère de miracle actuellement. Amen. Amen. Ouais, c'est vrai. Alléluia. Il y a une même tellement Dieu la bénit quand elle est vraiment responsable de l'évangile à l'organisation sociologique. Elle est fatiguée, elle ne peut pas venir aujourd'hui. Parce qu'elle est débordée au travail, elle est venue, et puis elle doit aller faire un tournage. Alléluia. Amen. Mais quand on l'a rencontrée, elle a même sorti sur moi, j'avais comment elle était chômée. C'était compliqué. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, elle travaille à NCI. Alléluia. Chargée de production. Et bientôt, elle va commencer à présenter la météo. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ça ne finit pas. On a des. Ah non, il est un miracle. Il mange un miracle. Tout ce miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Dieu a dit, on va organiser ça. Et puis il va toucher aussi plusieurs. Ce soir, je viens vous parler du service des thaumaturges. Le service des thaumaturges. Alléluia. Les thaumaturges sont des gens qui opèrent avec le surnaturel. Des hommes qui sont des hommes, mais qui vivent comme des esprits. Les thaumaturges peuvent faire sortir du rocher là de l'eau.
Alléluia. Et peut-être que ton appel aujourd'hui au rocher, mais tu ne peux pas donner de l'eau. Aujourd'hui, tu vas produire beaucoup d'eau. Et tu seras même une source. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Je vais rentrer rapidement dans mon message. On va prendre 19. On va voir quelqu'un qui a été en son temps la postérité de la femme. Un roi. 19, verset 14 à 18. Suivons la lecture. Un roi 19, verset 14 à 18. Il répondit. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. C'est Élie qui parle ici. Le Dieu des armes, des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu aimeras Azaël pour roi et de Syrie. Verset 16. Tu entreras aussi Jéhu. Jéhu. Dis avec moi Jéhu. Vas-y. Fils de Nimshi. Pour roi d'Israël. Roi d'Israël. Dis moi Jéhu, roi d'Israël. Jéhu, roi d'Israël. Voilà. Et tu entreras Élisée. Fils de Shaphat. D'Abel Meola. Prophète à ta place. Verset 17. Et il arriva que celui qui échappa à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Verset 18. Mais je laisserai Israël en 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Amen. Alors, si dans 2 rois 9, verset 30 à 37. Après, on ira dans 1 Samuel 17. 2 rois 9. Notez les passages, vous allez les lire à la maison. Ce sont des histoires vraiment intéressantes. C'est la suite. 2 rois 9, verset 30 à 37. Jéhu entra dans Jisraël. Dis avec moi, Jéhu entra dans Jisraël. Jéhu entra dans Jisraël. Ok, vas-y. Jézabel l'ayant appris. Mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Verset 31. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Verset 32. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et deux ou trois ennemis le regardait en s'approchant de la fenêtre. Verset 33. Il dit, jetez-la en bas. Il la jeta et il réjaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Verset 34. Puis il entra, mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Car elle est fille de roi. Amen. Alors, dans 1 Samuel 17, le dernier verset, la dernière lecture, 1 Samuel 17, 55, 1 Samuel 17, verset 55 à 58. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils Abner? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Verset 56. Informe-toi donc de qui ce jeune homme
est fils, dit le roi. Verset 57. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. La tête de Goliath. David avait à la main la tête de Goliath. Alléluia. La postérité de la femme t'écrasera la tête. David avait à la main la tête de Goliath. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? De qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethlémite. Alléluia. On acclame le Seigneur pour sa parole. Gloire à Jésus. On va parler du serpent et de la tête du serpent. Gloire à Jésus. Frère, le serpent, c'est le système de ce monde aujourd'hui. Le serpent, c'est le monde. Alléluia. La tête du serpent, c'est le diable. Alléluia. Et tous les hommes puissants de ce monde aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. La Bible nous parle d'Élie. Au temps de Jézabel. Tout le monde connaît Jézabel ici. Alléluia. Jézabel était pas seulement une personne, mais Jézabel était un esprit. Parce que dans le pays de son père, Jézabel était aussi adorée comme une divinité. Alléluia. Parce que Jézabel avait en elle beaucoup d'esprits. Alléluia. Et elle avait des prophètes à elle qui l'adoraient. Alléluia. Et bien aimé, la Bible dit, Jézabel est venue en Israël. Elle est venue en Israël et elle a tué le prophète de l'Éternel. Gloire à Jésus. Elle a tué le prophète de l'Éternel. Et arrivé c'est un moment, Élie s'est levé, Élie a ouvert le feu, le ciel, le feu est tombé et tout, et Jézabel s'est levé, elle a menacé Élie, Élie a pris la fuite. Élie est un homme puissant, mais Élie est un homme émotionnel. Alléluia, était un homme qui pouvait avoir peur. Alors il va voir Dieu, dit Seigneur, regarde ce qui se passe en Israël. Alléluia. Des gens qui sont censés t'adorer, des gens qui sont censés se sanctifier, des gens qui sont censés te suivre, ont commencé à renverser les autels de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Et ils sont enfants de Dieu là, et ils s'en foutent de ça. Amen. Ce sont les types de chrétiens qui sont dans les églises et qui font du n'importe quoi. Ils sont dans les églises et ils ne respectent pas les principes établis à l'église. Ils ne respectent pas l'œuvre de Dieu. Ils sont là pour être là. Alléluia. De quel esprit il y avait dans cette veillée? Gloire à Jésus. Avec quelle mentalité? Ce qui est avec une mentalité d'adorateur. Si tu n'es pas comme ça, c'est que tu es renverseur d'autel de l'Éternel. Alléluia. Et Élie a commencé à se plaindre. Élie a commencé à se plaindre. Puisque Dieu, il n'aime pas les plaignants, il dit, bon, on va couper court. Va où est Élisée à ta place. Alléluia. Va où est tel pouvoir. J'ai eu pouvoir sur Israël. Parce que je veux faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Cette Jézabel, devant qui Élie a fui, a été tuée par Jéhu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Pour dire quoi? Il y a des choses que ton père, tes parents n'ont pas pu vaincre. Alléluia. Comme le prophète Élie, il n'a pas pu vaincre Jézabel. C'était un système établi en Israël. Jézabel, on n'adorait plus Dieu en son temps. On adorait quoi? Baal. Alléluia. Et bien aimé, la Bible dit, Élie le prophète, père d'Élisée, a fui devant Jézabel. Amen. Et Dieu dit, je vais prendre ton fils. Ton fils spirituel, c'est lui qui va faire tomber Jézabel. Et Dieu prophétise encore une fois de plus la chute du serpent. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, les hommes de la postérité de la femme, là où ton père est échoué, elles sont capables de pouvoir réussir là-bas. Amen. C'était la même Jézabel. Elle n'avait pas changé. Celle qui avait un frère Élie. Alléluia. Elle était tuée par Jéhu. Au temps du prophète Élisée. Élisée était un prophète, mais était un prophète de guerre. Un prophète qui avait des stratégies. Alléluia. Le roi venait le consulter et il donnait des stratégies. C'est comme ça que du temps de Élisée, l'armée d'Israël a combattu tous les
prophète Élisée, qu'est-ce qui se passe? Jéhu fait tomber Jézabel, qui représente ici le serpent. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et on voit la même histoire avec Goliath. Goliath s'arrêtait devant le peuple d'Israël. Il insulte Saül, le oint, il est assis. Alléluia. Pour dire quoi? Dans l'église où nous sommes, il y a deux types de chrétiens. Il y a les Saül et il y a les David. Il y a les Élie et il y a les Élisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'en vas, tu dis que tu es chrétien, tu pries, tu as fait des copies, on va commencer à s'amener. Tu pries. Et puis quand tu finis là, c'est pour tout. À cause de toi, on ne peut pas respecter. À cause de toi, on ne respecte plus le nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas une vie de témoignage. Or, la vie en Jésus-Christ, c'est une vie de témoignage. Alléluia. Alléluia. Et moi aussi, c'était pareil. J'avais aucune vie de témoignage. Hein? Mais depuis, j'ai compris que avec Dieu, il faut se sanctifier et puis il faut se lancer, il faut croire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces gens-là, ils ont cru en l'Éternel. Amen. Ils se sont sanctifiés. Ils ont cru en l'Éternel et ils n'ont pas eu peur d'affronter le combat. Ils n'ont pas eu peur d'affronter Jézabel qui a tué les prophètes, qui a fait fuir le grand prophète dans son temps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce soir, nous voulons vous parler de la postérité de la femme. Des hommes qui ne sont pas conduits par la chair, ni par le sang. Des hommes qui ne sont pas conduits par les émotions, mais des hommes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Car la Bible dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donne-moi un bon amen. Écoute-moi, ce soir, pas demain, ta situation est capable de changer. Je parle avec beaucoup d'assurance. Ce soir, pas demain, ta situation est... C'est possible que ta situation change si tu te mets dans le rang de postérité de la femme. Écoute-moi, utilise juste ton corps pour vivre sur la terre, mais prends ton esprit pour vivre aussi sur la terre. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va produire ces miracles. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va te donner l'intelligence. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va faire que les rochers vont commencer à... Chaque matin, il venait humilier la famille de David. Comme toi, chaque matin, c'est la galère qui humilie ta famille. Quand il te reste chaque matin, vous tous êtes assis dans la maison, il n'y a pas petit déjeuner. Et puis toi, tu as 37 ans, toi aussi, il n'y a pas petit déjeuner. Alléluia. Alléluia. C'est compliqué. Ça va comment être dans cette situation. Ce qui me plaît, ce qui me plaît, c'est la personne qui situation, tu n'aimes pas. Mais tu es dedans. Combien de Goliath viennent t'humilier? Le Goliath du célibat. Chaque jour, quand tu demandes à marier les gens, ils te rappellent que tu es célibataire. Alléluia. Amen. La Bible, il sort du rang et puis vient dire aux gens, hey, vous êtes des esclaves de Saül. Alléluia. La Bible, il les insulte, il les humilie et puis ils sont assis. Voilà, c'est lui qui a dit, d'accord, on a compris. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes de la postérité de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, là, ils sont issus du mélange entre l'homme et la femme. Ils ne sont pas issus du mélange entre Dieu et la femme. Alléluia. Alléluia. Donc, là, les situations les effraient. Si tu es là, que tout te fait peur, il faut revoir ta position. Parce que la Bible a dit, la foi en l'Éternel bannit la crainte au soir. Alléluia. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité pour demeurer encore dans la servitude. C'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Mais toi, on dit, ah, il y a petit, qu'on appelle ça même... Entretien, tu trembles devant le DG comme ça. Tu trembles jusqu'à ce que tu commences à raconter ta vie. Alléluia. On dit, il y a une fille qui allait faire un entretien. On dit, madame, tellement elle a peur. On dit, madame, vous voulez vous asseoir ou vous tenez de vous parler? Elle s'est dit, hé, hey, j'aime élever. Nos femmes sont de ça. Dit, allez, va. Qui est hé, hey, là? C'est moi aussi. C'est moi aussi, hé, hey, là. Allez, sors. Elle s'est dit, sors le DG. Pas parce qu'elle voulait le dire, mais à cause de la peur. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la postérité de la femme.
Alors, la postérité de l'enfant vive. Et ils vivent comme des thaumaturges. Des thaumaturges, ce sont des gens qui ont une vie de miracle. Des thaumaturges, ce sont les gens à qui la nature travaille pour donner des résultats dans la vie. Les thaumaturges, ils peuvent aller dans un lieu, c'est désert, où on dit rien ne pousse. Et puis quand ils arrivent, les choses commencent à pousser. Alléluia. On nous parle du désert. Après le passage de Moïse et le peuple de Moïse, on a remarqué qu'il y avait de la manne et il y avait du rocher qui donnait de l'eau. Alléluia. Il y a eu un jardin là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça. Frère, quand tu es dans la présence de Dieu. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu. Quand tu es vraiment le fils de Dieu. Enfant de Dieu. Quand tu as vraiment hérité de l'héritage de Christ, on peut voir les fruits dans ta vie. Alléluia. Tu es en train de susciter une armée qui va se lever pour résoudre les problèmes de la vie. Alléluia. Et ça va commencer dans ta famille. Dans ta famille. Alléluia. Asseyez, parle bien ce soir. Mais tu es chrétien. Écoutez. Ne confrontez pas l'Égypte et le désert. Il y a des gens qui sont quoi en Égypte, ils sont dans le désert. Non, le désert c'est l'endroit où Dieu t'amène, l'Égypte c'est l'endroit où le diable te maintient captif. Dans le désert, il t'amène pour te former, pour que quand tu sortes de là-bas, tu sois un vaillant héros. Afin que les murs de Jéricho commencent à tomber devant toi. Et quand on va dans le jardin, et pardon, dans le désert, on ne va pas pour durer. On va pour prendre l'obéissance et tout. Alléluia. Et au sortir de là, on voit les manifestations de Dieu se produire. Mais quand tu es en Égypte, tu es tout le temps en souffrance. Maintenant, on voit certains chrétiens qui sont en Égypte et puis ils disent qu'ils sont dans le désert. Oh, c'est Dieu qui m'a dans le désert. Comment tu vas savoir si tu es dans le désert ou si tu es en Égypte? C'est simple. Pour savoir si tu es dans le désert ou si tu es en Égypte, c'est en fonction de ta manière de vivre. Tu as connu le péché et que ça ne va pas ta vie, c'est que toi, tu es en Égypte. Alléluia. Donc, avec toi, on ne parle pas encore des déserts. Quand on va te libérer de l'Égypte, maintenant, on va t'envoyer dans le désert pour te former, pour te donner l'attitude de ta destinée. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Les prophètes, les hommes que Dieu établit pour vous conduire dans ce sens-là. Alléluia. Alléluia. D'un côté aussi, sont des thaumaturges. Alléluia. Des hommes que Dieu a moins d'une huile fraîche pour pouvoir vous faire rentrer dans votre destinée. Alléluia. Ce soir, tu dois décider comme Daniel a décidé. Il a dit à tes résolutions, répondra quoi? Le succès. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Alléluia. Tout à l'heure, je vais prier pour les gens qui ont passé les amens et tout, qui doivent passer les amens. Et quand j'ai fini de prier pour eux, je vais leur dire, voici ce que vous devez faire. Et puis on verra si c'est Dieu ou bien si Dieu n'est pas ici. Parce que souvent, j'aime mettre Dieu dans sa parole pour voir s'il est vraiment dans sa parole. Le problème avec toi, c'est que tu ne mets pas Dieu dans sa parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand Dieu dit ne vole pas, il ne faut pas voler. Alléluia. Quand Dieu dit ne fais pas ça, il ne faut pas faire. Parce que si tu le fais, ça sera compliqué. Dieu ne pourra pas te bénir. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je suis en train de voir plusieurs tueurs de Goliath au milieu de nous. Amen. Des hommes qui ont dit, bon, ils ont trop crié sur ma famille. Ils ont trop humilié ma famille. Ils m'ont trop humilié. Alléluia. Maintenant, je présente la tête de Goliath à quiconque veut voir cette tête. Amen. Tu dis pas bien amen, ça me donne pas envie de pécher. La Bible dit, j'ai eu à fouler au pied Jézabel. Alléluia. J'ai eu à fouler au pied Jézabel. Toi, ton Jézabel, c'est qui? Peut-être que c'est la galère. Ton Jézabel, c'est qui? Les choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Chacun de nous aspire à un confort. Dieu est capable de donner ce confort. Je te dis, Dieu est capable de donner ce confort. Amen. Tu veux signer des dossiers, tu veux des contrats, c'est soi-même. Dieu est capable de donner ces contrats. Alléluia. Tu veux voyager, ce soir, Dieu peut donner cela. Gloire à Jésus-Christ. Mais Dieu a besoin d'une disposition. Est-ce que tu fais partie de la postérité de la femme? Cette postérité-là, tu dois fouler le dragon au pied. Alléluia. Tu dois marcher sur le lion et sur le lionceau. Est-ce que tu
fait partie. Écoutez, quand on rentre dans la main de Dieu, on se revoit d'abord. Est-ce que je suis en position d'hériter les grâces et les promesses de Dieu? Mais je te pose cette question. De qui es-tu le fils? Alléluia. Quand Saül a vu David combattre et vaincre Goliath, qu'est-ce qui s'est passé? Il demande à son serviteur, mais de qui est-il fils? Mais si vous lisez la Bible, vous comprenez qu'avant, il avait écrit une lettre au papa de David pour demander au père de David d'envoyer David dans son palais. Mais pourquoi il pose la question de qui est-il fils? Parce qu'il a vu dans l'attitude de David des choses qui ne sont pas en son père. Parce qu'on reconnaît un enfant par rapport à sa manière d'agir. Alléluia! Alléluia! Mais lui, il connaît Esaü. Alléluia. Il connaît, pardon, Isaïe. Il le connaît. Mais qui regarde David? Alléluia. C'est pas pareil. Les fils d'Isaïe, les frères de David, étaient dans l'armée. Quand Goliath criait, eux aussi étaient assis. Ça, c'est la vie d'Isaïe. C'est comme ça. Mais lui seul, quand Goliath crie, il avance. Goliath crie, il avance. Et il crie aussi sur Goliath. Il va jusqu'à couper. Donc, Saül ne peut pas comprendre pourquoi il peut agir comme ça. Le temps est venu où tu vas commencer à te comporter différemment de tes parents. Le temps est venu où tu vas commencer à te comporter différemment des gens qui t'entourent. Écoutez, écoutez. Peut-être que le comportement dans ta famille est en train de dire qu'on ne se marie pas. C'est un comportement aussi. Dans les familles, on ne se marie pas. C'est un comportement. Mais je suis venu annoncer ce soir que tu as un autre comportement. Alléluia. Le comportement de la mairie devant le maire, alléluia, qui te donnera accès au mariage. Et on va regarder toute ta famille. On dit, mais attends, est-ce toi qui es de cette famille? Alléluia. Tu leur diras, je le suis de par mon corps, mais je ne le suis pas à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Alléluia. Il est venu, mais de qui est-il fils? Et ce soir, je te pose la question de qui est-il fils? De qui es-tu fils? Jésus a dit, vous avez pour père le diable, car lui, il a péché dès le commencement. Donc quand il pèche, ton papa, c'est qui? Plusieurs ici. Et vous de la vérité, moi c'est comme ça. Plusieurs ici. Les papas, les vrais papas, c'est Satan. Mais je viens prier. Jésus dit, mais lui là, c'est qui? Et puis ange avait dit, non, c'est l'enfant de Satan. Ah, d'accord. Et puis on t'a dépassé. Lui là, c'est qui? C'est ton. Ah, ok, d'accord. Beaucoup sont enfants de Satan, même s'ils chantent. Beaucoup sont enfants de Satan, même s'ils prêchent. Comme on le sait, ils vivent dans le péché. Yes. Est-ce qu'il peut bien parler ce soir? Mon frère, tu es enfant de Satan. Tu es enfant de Satan. Tu es enfant de Satan. Parce que regarde ton comportement. Maintenant, les enfants de Dieu, là, souvent, ils peuvent, tu sais, tu peux aller jouer avec les enfants du voisin. Regarde ton comportement avec les enfants du voisin. Mais quand il va à la maison, ton père dit, hé, tu te vois, c'est moi qui t'ai éduqué. C'est ainsi que la Bible dit, sept fois le juste tombe, sept fois il se relève. Il ne faut pas mener quelque chose. Ouais, il va, souvent, il peut me comporter comme ça quand on est pareil. On n'est pas pareil. Alléluia. Alléluia. Elle se parle bien ce soir. Amen. Donc, ton affaire d'orgueil, ton affaire de quoi? Parlable, tu ne laisses pas. Ton affaire de, on ne te parle pas comme ça. Ton affaire de quoi encore? Beaucoup que tu sais là. Comme quelqu'un le dit, tu les ressources, c'est ce que tu sais là. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu ne laisses pas ça, tu es enfant de Satan. C'est pourquoi là où Satan s'en va, tu iras là-bas aussi à la fin. Et ce que Satan donne, tu vas prendre. Satan, il vient que pour gorger, pour tuer. Ton père, Satan, c'est un gorgeur et tueur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi pour adorer Moloch, il fallait donner ses enfants brûlés dans le feu. Mais le Dieu d'amour, lorsqu'il réclame Isaac, il dit non, t'as vous détesté. Parce que moi, je ne tue pas mes enfants. Elle s'est dit, peut bien acclamer le Seigneur. Écoutez, Dieu ne t'envoie pas dans le désert pour te tuer. Dieu ne t'envoie pas dans les situations difficiles pour te tuer. Mais Dieu t'envoie pour que tu aies de l'expérience, alléluia, pour que tu aies une attitude, tu aies un caractère en fonction de ta destinée, là où tu dois passer toi seul. Alléluia. N'ayez pas peur de Dieu que vous adorez, mais commencez à avoir peur du péché que vous pratiquez. Alléluia. On est apte à aller pécher. On aime ça, mais Dieu, on ne l'aime pas. Jésus. Et on peut le sentir même quand on voit des gens vont sur les féticheurs. Sur les féticheurs. Tu ne peux pas. Tu es ministre, tu es pédé, qui dit, hé, enlève la chaussure gauche. Tu enlèves la chaussure gauche.
Mais ici à l'église, on dit madame, asseyez-vous là-bas. Non, moi, je m'assois ici. Parce que toi, tu ne respectes pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez, l'amour de Dieu pour ta vie est souvent un piège aussi pour ta vie. Non, Satan, si le félicien t'amuse, il va te rendre bobo tout de suite. Mais Dieu, tu dis t'assois, il te regarde. Mais il sait où va t'attraper. Ta destinée va t'attraper. Pour tu avoir tout le monde marié au quartier. Tout le monde est marié. Puis c'est toi seul qui n'es pas marié. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal même. Et puis tu es hôtesse. Alléluia. Et puis ce qui fait plus mal là. Le gars qui était à toi, il devait te marier là. Ta nouvelle soeur a pris. Et puis toi qui as demoiselle dans des photos. Mais dans ton cœur là, lui là, il devient mon mari. Et lui, c'est comme ça que Dieu nous attrape. Il dit, ils ont salué leur prophétie de loin, mais ils ne sont pas entrés. Plusieurs saluent Pérès. La terre, ils sont dominés par les hommes spirituels. Dans le spirituel, il y a les féticheurs, il y a les marabouts, il y a les chrétiens, il y a les pasteurs, tous ceux qui travaillent avec le spirituel. Ceux-là, il y a une catégorie qui ne suit jamais, ce sont les divins. Alléluia. Ils sont au-dessus du spirituel et du physique. C'est eux qui sont nés dans le livre, ils sont nés dans le livre Jean 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donnez la capacité de sortir du spirituel pour entrer dans le divin. Ce sont des dieux. Dieu ne souffre jamais. Dieu appelle les choses à l'existence, l'existence arrive. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Maintenant, toi, pourquoi ta parole, ça n'agit pas? Pourquoi il n'y a pas d'impact? Pourquoi tu pries pour des gens, rien ne change? Pourquoi depuis que tu es dans cette même position, de qui es-tu le fils? Alléluia! Alléluia! Pourquoi quand tu pries, moi j'ai refusé, vous dites, quand je prie, moi je prie beaucoup, c'est que je suis en train d'adorer. J'ai refusé et Dieu, le Saint-Esprit, sont d'accord, pardon, est d'accord avec moi, c'est le même gars, est d'accord avec moi, alléluia. Il dit, oui mon fils, il ne faut pas prier beaucoup, parce que tu n'as pas besoin de demander quelque chose, parce que je connais tes besoins. Alléluia. Est-ce que ton enfant avait invité, papa, je vais manger, je vais faire malin d'abord. Tu sais que chaque matin, il doit manger. Souvent même ton papa quand tu dors, il doit partir le matin vite, il laisse quoi, ton petit déjeuner. Ou bien, ça qui a fait une prière toute la nuit devant sa porte. Papa quand tu as t'es levé le matin, n'oublie pas de laisser mon petit déjeuner. Tu n'as pas eu besoin, ton papa sait de quoi tu as besoin. Je suis en train de dire que Dieu sait que tu as besoin du mariage. Dieu sait que tu as besoin de voyager. Dieu sait que tu as besoin de ce projet-là. Dieu sait que tu dois grandir dans la vie. Alléluia. Toi, sois un adorateur, adore seulement Dieu. On adore Dieu au travers de notre vie de sainteté, de purification. On adore Dieu en étant obéissant, alléluia, avec lui. On adore Dieu en ayant le caractère de Christ en soi. Et puis on l'adore avec la musique aussi. Celui qui doit acclamer, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand tu es adorateur, tu te mets dans un aquarium spirituel. Et je vais clôturer avec ça. Alléluia. Les anges sont au ciel, ils disent Saint, Saint. Et le Seigneur et toute la terre est remplie de ça. Alléluia. Et puis toi, tu veux que les anges viennent ici? Non. Pour que les anges viennent ici, il faut mettre les anges dans l'atmosphère qu'ils ont au ciel. Alléluia. Si tu veux voir un poisson vivre comme dans la mer dans ta maison, il faut mettre un aquarium. Alléluia. Si tu veux aller dans le monde des poissons, il faut que tu sois dans un aquarium pour aller là-bas. Alors, quand les anges qui sont dans la sainteté de Dieu, ils doivent venir auprès de toi, il faut que l'ange campe autour de ceux qui craignent l'éternel. Ceux qui craignent l'éternel. La crainte de l'éternel est l'aquarium qui laisse aux anges de pouvoir surfer et manifester le prodige de Christ dans votre vie. La crainte de l'éternel,
La Bible n'a pas dit qu'il campe autour de ceux qui prient, qu'il campe autour de ceux qui chantent, qu'il campe autour de ceux qui font le serviteur, qu'il campe autour de qui? Ceux qui craignent l'Éternel. Et ce soir, si tu décides de craindre l'Éternel, tu verras l'atmosphère angélique dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu verras l'atmosphère de gloire dans ta vie. L'atmosphère de puissance dans ta vie. Les choses vont commencer à pousser. Les choses vont commencer à grandir. Les choses vont commencer à produire du fruit. Parce que tu n'es pas la postérité de l'homme, mais tu es la postérité de la femme. Cette nouvelle génération, cette nouvelle espèce d'homme que tu as créée, sortie de Jésus-Christ, fabriquée en Jésus-Christ, comme Éphésiens 2 le dit, ils ont été fabriqués, conçus en Jésus-Christ, créés, reprogrammés en Jésus-Christ. Ils ne vivent pas comme des hommes. En réalité, ce ne sont pas des hommes, ce sont des esprits étant dans des corps. Alléluia. Ils sont dans des familles sans appartenir à ces familles. Quand on dit, il y a un hôtel de famille qui fait qu'on se marie pas dans la famille. Lui, son hôtel là, c'est tout au ciel. On se marie là-bas. Lui, son hôtel là, c'est tout au ciel. On voyage là-bas. Lui, son hôtel là, c'est tout au ciel. On fait toutes les bonnes choses là-bas. Je ne comprends pas ton attitude quand tu es encore dans des problèmes. Je ne comprends pas ton attitude quand les choses n'avancent pas dans ta vie. Je ne comprends pas ton attitude quand tu es dans la même position. Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir une autre attitude. L'attitude des tueurs de Goliath. Comment ça, Goliath crie et tu pleures? Comment ça, Goliath te menace et tu pleures? Quand Goliath te menace, dis, je te menace aussi, Goliath. Écoutez, quand la vie décide d'être Dieu avec un chrétien, le chrétien décide d'être Dieu aussi avec la vie. Alléluia! Alléluia! Il se lève le matin, puis rambrochit. Je ne peux pas accepter que moi, la sainteté, je vis les choses des chiens. Jamais, jamais, jamais. Et tu commences à voir Dieu cherche des gens comme ça, des femmes comme ça, pas des flemmards, non. Des hommes qui se mettent à la brèche pour dire, hey, je suis la fin du péché et le commencement de la gloire. Alléluia. Alléluia. Qui comprend ce que Sandré a dit ce soir? Et ce soir, vous allez vivre cela dans votre vie au nom de Jésus. Décidez simplement de marcher dans la crainte de l'Éternel. Qui a décidé ici? Qui a décidé ici? On va s'éteindre pour avoir prié le Seigneur. Y a-t-il des personnes en classe des amis ici? De vous même. Avancez de vous. Y a-t-il quelqu'un qui passe un concours ici? Un concours. Venez devant. Venez devant. Des gens en classe des amis. Des bacs, des PC, venez devant. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a déposé? Quoi, les amis, c'est tout? Professeur qui est dans ta classe qui me chasse. Donc je n'ai pas fait le coup. Si je joue à l'examen, c'est fini pour moi. J'ai appris que tu pries pour les gens qui sont pas des amis. Je veux que tu pries pour moi. Il était sincère. Il a dit, est-ce que tu crois que Jésus peut le faire? Il dit oui, ça peut se suivre. Il a dit, mais tu as vu où ton comportement t'a conduit? Il ne faut plus recommencer. Il dit oui, s'il y a eu mon bac là, je vais marcher pour moi. Il dit, est-ce que tu veux marcher le Seigneur? Il dit oui, il est ok. Il dit donc, sous
avec la foi que tu auras prié le Seigneur. Tu n'auras pas été à l'école, c'est vrai, hein? Mais à cause de ce que tu étais sincère, Dieu va te donner ça juste avant. Mais prochainement, pour que tu te comportes, mais si tu ne te comportes pas bien prochainement, Dieu va te laisser. On a prié pour lui. Lui, même moyen de grâce. Il dit qu'il rentre en grâce à Michel, il est à Boulogne du sort. Il a eu son pas. Alléluia. Jésus n'a pas dans les quatre cultes. Vous tous qui êtes là. Vous tous qui êtes là. Je ne sais pas quelle vie vous vivez. Mais c'est que la seule chose qui peut freiner ou qui peut passer Dieu enlever sa main sur vous, c'est le péché. Mais à cause de toi, même ton avenir, il faut stopper ça. Là, dans ton cœur qui a arrêté là, parle à Dieu, mais pas obligé de prier ta bouche. Parle à Dieu. Dis Seigneur, viens arrêter ça. Si vous êtes sincère, ce que j'ai fait là, ça va se passer. Donne-lui l'onction. Merci Saint-Esprit.